minimum d'exactitude, voilà, une centaine de pourcents du côté de... Oh mais il y a l'inventaire de Steve du coup. Bon. C'est terrible, c'est vraiment terrible. C'est bon, je pense qu'on est à 100%. Il a mis une put-up smash, je vais crever. J'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Mais non mais... Putain mais... Avec sa main tu mises... Non mais putain mais H. C'est... Eh non mais... Allez, c'est fini, on finit sur Yeet Smash. Worst Fails. Worst Fails Happening in Tournament. Oh non, j'ai envie de... Oh non, non, et là c'est pas notre faute, hein. C'est... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon, on peut en profiter pour parler un petit peu du match-up. Parce que bah, il y avait des choses à dire, hein. Là il y avait enfin, du match-up personnage, mais du match-up joueur également, hein. Arrête les smash, putain, je t'en supplie. Mais c'est des jobs. Voilà. Pas de petit, juste des jobs. Tu vois. Non mais c'est bon, là il était... Oh. Et du coup voilà, on avait un H' qui bourrait complètement en fait après avoir perdu le lead, donc j'ai l'impression qu'il paniquait un petit peu. C'est vrai que on a vu beaucoup d'up smash un peu whiff, on en a parlé. Spectral qui jouait très très bien sur le mouvement pour le coup. Du côté de notre retour, il y a des gros lags. Ouais. J'espère que vous le voyez pas sur le stream. C'est bizarre ça aussi, parce que bon pour le coup, il n'y a pas de lien hein, a priori, mais Et du coup, on a l'air d'être reparti du côté des lags. Joueurs. Ah merde! Ça, c'est méga cringe par contre. Oh non. Là, je vois qu'on a des grosses pertes de FPS. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est vraiment dégueulasse par contre. Hein. Je suis vraiment désolé pour la qualité de ce qu'on vous propose. Là, pour le coup, je n'ai pas la moindre idée d'où ça peut venir. Bon, encore bourré un up smash du côté de H', mais forcément, bah, on se fait encore punir. Bon, du côté des joueurs, au moins, il n'y a pas de lag, hein, je vous rassure. Les joueurs, il n'y a pas de lag, mais c'est vraiment lagué pour le stream. Alors ce qu'on peut faire du côté de la régie, mais bon. On est reparti du coup dans cette game. Et Spectral qui a pas perdu du temps pour reprendre la game de la stock de l'âge du coup. Effectivement. Bah ouais, là on a un putain de lead. Hein, et bah de toute façon on est dans la même situation depuis le début de la game. Il faut arriver à trouver ce kill move, arriver à trouver peut-être ce smash qu'on attend depuis si longtemps pour H'. Mais... Bah c'est forcément affiche ça qu'on s'est un petit peu fait avoir quand même. Ouais, voilà, ouais. Après un B aussi piffé, évidemment, ça ne pardonne pas. Non mais c'est vraiment un slideshow par contre le stream. Oh là là, oh là là. Bon, on est reparti du coup. H qui va avoir du mal dans cette game, la dash attack ne durera pas beaucoup, mais on a la limite. Du côté spectral, c'est raté. C'est un petit peu dommage de l'utiliser instantanément parce que je rappelle que la limite, elle donne un gros boost de vitesse de déplacement en fait à Cloud. Elle peut permettre de trouver des options, peut-être un petit peu plus safe, peut-être des backers, peut-être des dash attack qui tueraient tout aussi bien en fait à... Bah, on s'attendait pas à ce que ça touche je pense du côté non. De H. Non, non, les fouteux qui ont pas résisté le wifi du bar, mais non, mais en plus on est en Ethernet. Bon, je vais essayer de résoudre ça. Je fais ça rapidement. Tweet sur le coup. On est vraiment désolé pour tous les problèmes techniques qui s'enchaînent. Bah. Il y a jamais de soucis d'habitude, et puis c'est au pire des moments que ça arrive, évidemment. C'est bon. Ou Spectral très dominant dans la première game. C'est pas vraiment. Honnêtement, je n'y connais strictement rien en régie ou quoi que ce soit. Il a l'air d'être sur le coup. Le menu déperçoit des blocages, c'est probable vu les câbles. Okay. Ouais, non, il y a des pertes de FPS. On va pouvoir relancer bientôt.
Bon, on vous a préparé une espèce de solution de remplacement. C'est vraiment. Je pense que vous devriez reset le stream. Ouais, c'est ce qu'on fera en dernier recours. Parce que ce serait vraiment chiant pour le coup de couper le stream. En fait, si on fait ça, on va carrément tout relancer. On va attendre la fin du set pour pas créer trop d'interruptions pour les jeux. Non, mais c'est impossible. C'est. Encore une fois, pour les joueurs, c'est tout va bien. Pour le coup, ils ont aucun lag. Simplement, c'est compliqué à regarder là. Oh, quoi que. Non, ça. Non. Ça ouais, bon, non, c'est. Belle. Je sais pas ce qui se passe. J'avoue que. Que je ne sais pas trop ce qui se passe en fait, parce que là on a un nouveau PCO du côté de la régie et il avait très bien marché pendant deux weekly. Et là, au moment où on a un gros pic de viewers, et bah ça marche plus, ça m'énerve. Mais bon, Ash qui a l'air de mieux s'en sortir du coup dans la game pour le moment. Smash encore une fois qui était counter et très joli side B pour venir catch ce landing. Ah, on a la reco un petit peu ambitieuse là. On a voulu être joueur, mais il le voulait son backer. Hein. On connaît peut-être pas encore toutes les subtilités du perso, peut-être du côté de Spectral, on s'est vu un peu beau. Par contre, on n'arrive pas du tout à craft. Hein, du côté de H', là, il faut arriver à soit respawn une table de craft, soit atteindre celle qui est actuellement bloquée par ce cloud. C'est vraiment problématique. Spectral, il main Samus hein, pour le chat qui demande. Ouais, là, il faut c'est faut craft, hein, il n'y a plus d'outils, il n'y a plus rien du tout. Ouais, et oui, absolument. Bah, il y en a Clank avec la Landvil. Effectivement. La table de craft a été détruite. Il faut vraiment. Alors, on n'a plus l'invincibilité du côté de H pour venir recraft. Mais bon, normalement, il a reset ses outils, non en mourant. Bah, il a tout, mais il a du bois, quoi. Donc, ça reste assez nul. La game est quand même moins one-sided. Hein. Pour le coup, il bourre beaucoup moins. Il arrive à trouver des. Moi, j'ai rien dit. J'ai absolument rien dit. Les up smash sont toujours aussi bourrés pour H'. Ça va vraiment être un problème hein, pour lui dans ce set. Voilà. Oh, joli petit, attention, est-ce qu'on pourra le confirmer, un base d'up smash, ça tuera toujours pas très joli de la part du Spectral, mais bon, on est quand même en désavantage positionnel. On a réussi à reset le neutral. De nouveau, en désavantage en ledge trap, ou le backer qui est passé à ça des cheveux de Cloud. Effectivement, ça pourrait partir assez vite, hein, effectivement. Mais avec ce down air, assez bien vu hein, de la part de Spectral. Le timing est quand même assez large hein, avec la roco de Steve qui a tendance à un petit peu ralentir sous le ledge si tu l'as fait comme ça. Oh, attention, bien voilà, classique. La pioche en sortie de minecart, c'est très très difficile à éviter pour le coup. Quand ce n'est pas impossible. C'est. Faut le voir comme un clic confirme. Hein. Vous avez très peu de chances de vous en sortir si le Steve joue bien. Exactement. Et du coup, là on est à even stock. Léger avantage pour Spectral, mais il n'y a rien pour Steve. Hein. Une petite phase d'avantage et c'est réglé. Ah, ce nerf qui n'a pas connecté. Attention, Spectral, la phase de ledge trap peut-être. Les backers qui sont bien évités de la part de H. Up smash directement. Smash, effectivement. Il en trouve beaucoup, Spectral. Oh, le neutral qui est passé à ça. Et... Le force. Oh là là, mais. C'est dommage, hein, la game était vraiment even et on a juste eu énormément d'options fortes que H a réussi à éviter jusqu'à la dernière en fait. 2-0 en faveur de Spectral. Alors, est-ce qu'il a suffisamment transpiré pour repasser sur Samus? Je pense pas. Hein. Il y a eu des bonnes réponses de la part de H', mais. Cloud, c'est un bon match-up en plus. C'est un bon match-up contre Steve. Je pense que voilà. On veut rester sur le Cloud. On a foi en son counter pick. Effectivement, je pense que c'est clairement pas un des pires match-up pour contre Steve. On a notamment les très très gros hitbox et l'épée qui permettent d'un petit peu détruire les blocs facilement. Ainsi que la bonne mobilité, l'air de rien. C'est un des épéistes avec les meilleures mobilités. Voilà. Et du coup, Spectral qui est de nouveau à l'agression en ce début de game 3. Et bon, là ça va pas être puni le fer qui a pourtant été vraiment tapé directement dans le shield. Je pense que malgré la lenteur du grab de Steve, il y avait un grab auto-shield là, c'est un petit peu dommage. Le manque de punition, on va quand même réussir à trouver le bon combo, mais c'est le auto-shield qui permettra de reprendre l'avantage pour Spectral. Oh, c'était un gros fer là qu'on a réussi à mettre. Bon, la tentative de punition était un petit peu greedy malheureusement pour Spectral. Up smash, pardon, de nouveau, on va venir casser un peu cette tentative de mix-up de RPS2 du côté du Steve. Spectral qui joue très très bien avec ses grosses hitbox. Hein. En même temps, il joue très agressif, il fait des choses punissables. Pour le coup, par exemple, il joue très bien avec les grosses hitbox du backer, mais le fer par exemple, c'est en trop en général. Bon, on va quand même réussir à trouver ce up smash, hein, un move. Très, très très fiable de Cloud. Bon, on ride un petit peu la Rico haute là-dessus. On s'est pris deux fois le main card. Toujours plus de pourcentage. On n'arrive pas à miner du côté de H. Ça met tellement de pression sur ce Steve. Sur main card, non, c'est bien évité. On n'aura pas la range.
Allez, continue à bourrer un petit peu des kill moves, hein. Ça bourre des minecarts, des anvils et des. Pas trop de smash encore, mais voilà, on l'a vu faire ça un peu plus tôt dans le set où il y a eu un bon petit setup. Dirt, anvil. Mais bon, on a la limite, est-ce qu'on peut en revenir? Attention, le smash! Oh, le grab un peu whiff, c'est dommage. Oh, il a sauté dans le minecart, c'est vraiment dommage ça. Terrible, mais bon. C'est tout de même toujours un avantage, le up smash de nouveau qui est biffé, ça ne sera pas puni de la part de Spectre. On a de la chance pour H, mais là, évidemment, le B out of shield, tu ne peux pas punir, c'est très très difficile à punir. Bah ouais. C'est vrai qu'il y a juste à le relancer instantanément. Bon, il a mis, il choisit de pas le relancer. On va trouver la punish, effectivement, il y a le bon combo de la part de H. Est-ce que ça peut terminer sur un spike? Heureusement, il y a la limite pour Spectral qui va changer ses propriétés physiques et du coup le sortir un petit peu du combo. On a réussi à miner un diamant du côté de H. Là, il faut réussir. Je pense qu'il attend la dernière stock pour le crafter, ce diamant. Alors, on ne peut pas le gaspiller. Oh, dommage. La dash attaque qui tue quasiment. Pas passé loin, le strap de Cloud qui fait très très peur. Heureusement, on arrive à s'en sortir avec un très joli jab. Option terrain rapide, le fer qui finira par clore la stock. Dommage, il y a une mauvaise DI là-dessus. Mais bon, cette fois, ouais. Ah. Récupère le diamant du côté de H. C'est dommage, hein, c'est 20% qui sont pris directement. On était un petit peu greedy sur le craft. Est-ce qu'on peut essayer d'aller trouver? Non, on va pas faire de forward throw du côté de Spectral, c'est un petit peu étonnant. Le juggle n'est pas forcément là derrière cette up throw. Ouais, c'était une back throw, une down throw, il me semble. Oui, pardon, on a tenté un mix-up un peu particulier à base de DI. C'est vrai qu'on s'attendait peut-être à une DI in du côté de Spectral. Oh, ouais, là, c'est oui. Untakeable pour le coup. Untakeable. Le B qui va activer la TNT, malheureusement pour Spectral. Cependant, c'est déjà 70% qui sont récupérés sur son adversaire. Et ça va commencer à être compliqué. Ouais. Et bon, on a toujours le diamant, une seule stock du côté de Spectral et du diamant du côté de Steve. Voilà, ça part de là, un petit upper, un back air, ce sera que 27% de gratté. Minecart pour venir récupérer ce neutral, on peut réussir à craft tranquillement. Smash qui finira par toucher. Effectivement, mais là, ça reste une mauvaise décision, hein. C'est trop trop punissable. Alors bon, ça fait quand même des très bons pourcents qui permettent à H de respirer un petit peu. Est-ce qu'on peut trouver le Smash Auto Shield cette fois? Non, toujours pas. C'est dommage. Oh, Minecart qui tuera? Quoi? Non, ça tuera toujours pas. Mais bon, là, on est en ledge trap du côté de H. Non, on préfère miner, récupérer des ressources plutôt que de mettre la pression sur ce club. Et oui, Smash Auto Shield. Ok, finalement, H' qui arrive à prendre... une game au Cloud de Spectral. Et du coup, est-ce qu'on veut abandonner le match-up très positif Cloud Steve pour repasser sur le main, sur la Samus du côté de Spectral? On va voir ça. Est-ce qu'il veut persévérer sur son Cloud? À voir. Après, il a quand même une game d'avance. À voir s'il va vouloir rester sur Cloud. Effectivement, ce serait pas idiot. Le petit karma. Mais GG à H' du coup. Oh là là, oh la musique. Le petit karma évidemment. Oh là là. Là, attention. Et on passe sur Game & Watch. Pour H'. Pour H', intéressant. Est-ce qu'on va prendre la Samus ou le Joker? On voit que Spectral hésite. Ouais, on repart sur la Samus. On n'a pas peur du bucket. Il faut update le score cette fois du coup. Voilà, on est parti du coup. Directement la prochaine sélection chargée. Ah oui, alors là pour le coup, on perd tous nos repères très clairement. On va avoir une boule tentée directement par Spectral. On l'avait vu, c'est une Samus qui joue vraiment beaucoup sur les neutrales B pour le coup, comparé à ce qu'on peut avoir d'habitude à Toulouse. Et là, le bucket qui est directement full chargé. Il faut faire vraiment attention à ça parce qu'un Game & Watch qui a des grosses boules dans le down B, ça peut faire extrêmement mal. On a vu des instants chill break. Et voilà, la même que la semaine dernière. Jab down B. Attention, tipper et smash, ça ne tuera pas. Quand même. Bon, trop bas pour 100, mais la phase de ledge trap, non, dommage, ça ne sera pas touché. Beaucoup de pression infligée par H dans ce début de game. Mais Spectral respire, on a réussi à s'en sortir sans casse. Effectivement, hein, finalement le down B de Game & Watch qui est un petit peu perdu là-dessus, hein, parce que les pourcents c'est bien beau, mais... forcément on aurait aimé. Ah bah non, c'est re-rempli directement. Spectral qui a l'air d'être très client de ce bucket. Et le spike du down air bien vu de la part de H qui vient casser cette recovery. On voit qu'il le gère son Game & Watch, hein. Ah là pour le coup. Alors là, attention par contre, il ne peut plus utiliser le bucket pour se protéger, hein. Faut faire attention à ça. Le grab, est-ce qu'on peut aller trouver la bola? Non, ce sera bien DI par H'. On a quand même les circuits électriques. C'est très compliqué du côté Spectral quand même, parce que là, Game & Watch avec de l'avance, ben, c'est un Game & Watch qui peut jouer
plus librement. Et peut-être tenter d'approcher moins, juste de faire voler son neutral en absorbant les projectiles de Samus. Mais bon, là on a quand même une phase de l'Edgetrap. Attention, le down smash qui n'est pas passé. C'était un Grégrab, il me semble, de la part de Spectral, j'ai pas bien vu. Bon, et là, on a l'Obstro quand même. Mais du coup, on rappelle que tout comme le Waft, le Bucket c'est un move qui reste là. H' a toujours son down B full chargé qui est capable de shield break un shield quasiment full. Voire de falloir tuer, hein, parce que oui aussi. Ça shield break, mais ça tue bien à 30-40%. Possible, ça pour le coup les chiffres exacts vont dépendre des projectiles qui ont été absorbés. Effectivement c'est possible hein, de tuer à 40% effectivement près du ledge en ayant absorbé des grosses boules de Samus. Par contre on n'arrive plus à trouver les ouvertures. Là Spectral qui joue beaucoup plus défensif en fait, qui va laisser ce Game & Watch approcher. Et voilà. Ok, jab down B. Jab down B. Ça sort extrêmement vite, hein. Ça sort vachement plus vite que le Waft de Wario par exemple. Ouais, surtout que le fait de pouvoir le compter dans un jab de Game & Watch, bah c'est très puissant. C'est vrai, et de nouveau voilà, c'est absorbé du côté de H. Ce counter pick Game & Watch qui a l'air de marcher à merveille. Mais bon, là on est toujours en l'Edgetrap Laser peut-être pour venir extend. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver? Il faut choper le kill là du côté de Spectral, parce que si on laisse ce Game & Watch... Oh, oh non. Et c'est un live qui est trouvé par H' qui égalise dans cette winner semi. Oh là 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 là. La classical Game & Watch. Le pop-up de H. Alors peut-être le reverse swing. Oh, il y a tellement... Oh, c'est un slideshow les caméras là. Eh bien, on, vous l'a pas dit, on va sûrement relancer le stream avant de passer au set suivant pour essayer de reset un petit peu tout ça, de faire souffler un petit peu le PC parce que là, il galère malheureusement. Voilà. 2-2, du coup, H' qui nous propose un comeback assez surprenant contre la Samus de Spectral. Il va falloir jouer beaucoup moins sur la boule. Là, c'est vraiment ce qui a coûté le set à Spectral. Bon, on va aussi falloir avoir une meilleure RNG. On a plus de saut du côté de Spectral. Ok, okay, on a quand même la très bonne air dodge, c'est bien vu. C'était, ça aurait pu être la mort. Ça aurait pu être absolument dramatique pour le joueur bordelais. Et bon, là on est sur Kalos. On va avoir beaucoup plus d'espace et d'expression oui. Pour cette Samus. Bon. Les petites phases de neutral. Oh, joli le petit fer pour venir. Ah, le bucket qui est un petit peu raté. On arrive à mix up les timings un petit peu pour Spectral qui va prendre la première stock sur un backer autoritaire. Bon. On est de nouveau en phase de neutral. Le Spectral qui n'a essuyé que 18 pauvres petits pourcents. C'est compliqué pour H. On voit Spectral beaucoup plus dominant hein, dans cette game. On s'est laissé un peu surprendre par ce counter pick Game & Watch. Et H' qui retombe un petit peu dans ses travers de la game précédente, c'est-à-dire qu'il va beaucoup plus approcher en fait. Et ça, Spectral, il n'attend que ça, il n'attend que de pouvoir contrer avec notamment son neutral air ainsi que son forward air. Son neutral air, son up B, n'importe quoi, rien à voir. Oui. Attention, les phases de l'échange qui sont très bien évitées par Spectral. Hein. On arrive à très bien danser autour des hitbox de Game & Watch qui n'a pas tant de range que ça au final. Mais là, le charshot est totalement absorbé. Il faut vraiment qu'il oublie cette option. Ouais, c'est compliqué, on l'a vu réussir à bait un peu, mais ça n'a été qu'une fois sur moult autres occasions dans lesquelles... Oh, la très bonne bombe, on n'a plus de saut pour Spectral, est-ce qu'on peut aller punir ce B? Malheureusement, on a manqué de rythme du drift hein, pour H'. Sur le fer, ça ne tourne toujours pas. Il y avait un beau pari. Hein. Chargé, attention, le grab peut-être, et voilà. Le shield break, évidemment, de nouveau, là, ça tuera. Oui, bah là, super là, flash. On réégalise les stocks pour H' avec quand même 70% pris dans la tronche. Bien vu, ces petits backers pour venir zoner. Cette Samus. Backer oh. Évidemment. Très bien vu. On arrive, c'est pas si facile à être joueur que ça. Game & Watch, mine de rien. Ah oui, pour le coup. Oh, de nouveau le voleur. La Balkany, évidemment. Et Spectral. Les cartes qui sont remélangées. Last stock. Last game dans cette winner semi. C'est terrible pour H' Spectral, qui arrive à pousser Spectral vraiment dans ses retranchements avec ce Game & Watch. Un petit peu surprenant en fait. Hein. Ou bien vu, les petites saucisses et de nouveau. Attention, ça va faire très très mal ça si ça passe. Ça fait très peur. Hein. Et là, ça c'est un fear factor. Hein. C'est un peu comme le waft de Wario. Ça fait paniquer votre adversaire. Ça lui fait peut-être reprendre des options qu'il n'aurait pas pris en temps normal. On l'a vu, hein, tenter un jab parce que il y a un confirm jab down B. C'est surtout ça qui fait peur en fait. Ah, attention, c'est notre alerte quand même un petit peu présomptueux. Il ne faut pas aller full in comme ça pour H'. Attention. Et là il veut vraiment plus utiliser son saut en fait parce que bah, s'il le fait bah il perd la hitbox monstre. Et voilà. Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est la fin pour Samus? A priori 43%. Ça tuera. Et ça tuera. Et le poids de Samus. Et le poids de Samus. Attention parce que là H', il a totalement perdu son avantage. Il est déjà à 120%. C'est complètement possible de mourir ici d'un backer, de pas mal de choses, l'air de rien. Attention à ce down smash un petit peu piffé même si c'est difficile à punir.
Le charshot est chargé. Est-ce qu'on va pouvoir le réabsorber du côté de ce gamin sur le dernier pour finir le grab whiff? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Le dance smash, le grab qui n'est pas ça, pas grand chose. Ça aurait été la mort assurément pour ce game watch, personnage très léger. C'était tellement chaud cette game twill et le team. Mais non, pas c'est pas fini. Mais c'est game watch, merde. Qu'est-ce qui se passe dans cette game? Charbe spectral. Oh, il va drop le shield un petit peu tôt, malheureusement. Est-ce qu'on peut trouver l'edge trap du côté de Game & Watch? On se voit reverse. Ah, et là, on va absorber des petites boules, hein, se contenter de ça. Et Spectral qui n'arrive pas vraiment à... Ah, la Upsro. La Upsro, très très bien trouvé par Spectral. H' qui aura poussé le joueur bordelais dans ses derniers retranchements. Et là, les amis, on va vous laisser 2 secondes parce qu'il va falloir reset quelque chose, il va falloir relancer le stream. Ne quittez pas, on revient. Ne quittez pas, on est là tout de suite. Incessamment sous peu.